Sodexia va tenter d'aider Patrick à surmonter ses phobies. Une équipe de spécialistes est mise en place pour l'aider. Bonjour Patrick. Bonjour. Nadine, votre psychologue. Vous voulez bien me suivre ? Ça a été le trajet ? Non. Je suis prêt à participer à l'expérience. Enfin, du moment qu'on ne me demande pas de me doucher dans une douche publique. Nous ne gérons plus une agence, nous gérons une relation. Et donc, le mot-clé, c'est changement. Hein, on redevient le banquier sympathique. Donc, on fait une croix sur les guichets et une croix également sur les murs de vitres. Hein, on fait exploser les vitres. Hein. Donc, non, pas ma vitre. Et donc, nous allons mettre au point, justement, des points infos où vous allez... Ils veulent nous mettre un point de rencontre. Donc, c'est-à-dire qu'on... Maintenant, on doit rencontrer les gens. Viva Dixia n'abandonnera pas Patrick à son triste sort. Nous allons lui lancer 3 défis. S'il les relève, il deviendra un excellent gestionnaire de relations. Descendons les escaliers et nous voyons enfin notre lieu. On ne regarde pas en haut. On se concentre, Patrick, directement sur le point info qui se trouve là. J'ai cru que je craquais, quoi. Et puis je me suis dit non. Pour toi, pour la banque, il faut le faire. Vous pouvez le faire. Vous allez traverser l'espace et venir jusqu'au point info qui se trouve là. D'accord ? C'est la première fois que Patrick se rend compte qu'il a un corps qui jusqu'à présent était caché derrière le guichet. Et là, il va devoir s'exposer en entier. Regardez, Patrick. Vous y êtes presque ? Oui. Je vais être fière de vous. Et je me disais, tu peux pas flancher. T'as fait tout ce chemin parcouru. Touche. Quand je suis arrivé au desk, quand je l'ai touché de mes doigts, j'ai ressenti comme une jouissance intense, presque comme une seconde naissance. Oui. Vous êtes content? Oui. Là maintenant, j'ai une petite surprise. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que... Il y a un client qui va arriver, oui. Et vous allez lui serrer la main. On m'a demandé de... Pardon. Monsieur est arrivé. De serrer la main de personnes que je ne connaissais pas. On reste à une distance raisonnable. Patrick, je vais compter, d'accord? Jusqu'à 3. Oui, 3. 1. Non, 6. Non, 3. Au tout début, c'était pour moi... Totalement inimaginable. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? 1, 2, 3. Voilà, oui. Continue à respirer, surtout ne se bloque pas. Bravo ! C'est chouette. C'est beaucoup d'émotions. C'est chaud, c'est... C'est presque de l'amour. Oh, oui, on est content. Merci. Dites-moi, quels sont vos besoins pour le moment ? Que voulez-vous dire ? Comment envisagez-vous notre relation sur le long terme ? À l'avenir ? Non. À la main. Je peux vous appeler Patrick? Mais évidemment, c'est mon nom, Monsieur Durieux. Et en ce qui concerne mes intérêts, ils sont multiples. C'est quoi ce pied? Qu'est-ce qu'il fait là avec le pied? C'est bon, moi j'ai besoin d'un café là. Voici ma carte, n'hésitez pas à m'appeler jour et nuit en cas de besoin. Alors... Jour et nuit, c'est promis? C'est promis, jour et nuit. Au revoir. Au revoir. C'est un cas désespéré. Alors? Quoi? Il a signé. Comment ça? Il a signé pour notre meilleur fonds d'investissement. Oh! Patrick, félicitations. Merci. Vraiment, c'est bien. Patrick a donc réussi son 3e défi avec brio. Il est désormais prêt à affronter toute forme de changement. Il est devenu un autre homme.